n'a continué avec série de règles nous ouais qui gagne dans jouet investissement. Nous avons règle numéro 1, règle numéro 2, règle numéro 3, règle numéro 4 et règle numéro 5 déjà. Et nous avons règle numéro 6 déjà. Jeudi, nous parlons investissement, règle numéro 7. Investissement, règle numéro 7. Nous prenons un temps avant de commencer ce sujet pour nous saluer tout le monde qui branche avec Sofomax. Nous saluons le monde Haïti. Nous saluons le monde Saint-Domingue. N'ap salye moun Brésil, Chili et n'ap salye moun la France, Canada, moun États-Unis qui toujours branché ensemble avec nous sous channel ça, sous plateforme ça pour nous capable continuer avec vidéo qui parle nous des investissements yo. Ou même zanmim avec famim qui déjà branché sous channel ça quel que soit côté courrier eh bien nous disons merci travail à li en pile travail à li poko fini et nous gagnons pour nous continuer supporter channel là pendant à partager yo bay toute famille nous toutes amis nous c'est comme ça nous capable avancer pour vidéo. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel là, n'a pas dit pour capable abonner ensemble avec nous. Ba nous un like, ba nous un commentaire, dit comment recevoir nous la caillou. Then sans nous pas perdre plus de temps, n'a entamé avec Syria qui a fini jeudi à qui c'est investissement règle numéro 7. Investissement règle numéro 7 là, il dit nous que nous pral évaluer risque nous avec rewards nous. Nous pral évaluer dans n'importe ça n'a fait, c'est moun qui gen capacité, c'est investisseur qui gen capacité pour capable évaluer combien de déficit ou capable faire. Ou bien combien de bénéfices vous êtes capable de faire. Ce n'est pas tout investisseur, ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire évaluation ça. Mais je nous venons pour nous dire des mots clés. Nous venons pour nous dire si vous continuez à garder channel ça, si vous continuez à supporter channel ça, nous pas jouer une série d'idées qui important pour même pour capable devenir un bon investisseur. Ça veut dire règle numéro 7 là, elle dit c'est investisseur qui gagne capacité pour capable contrôler risque, ça veut dire ça l'a perdu et pour capable contrôler bénéfice, ça l'a gagné. Well, dans tout investissement, nous connaissons gain sacré les perdus, ah oui. Nous-mêmes, nous parlons les perdus. Nous dit que nous relayons dépenses que vous faites pour business. On nous dit si vous risquez un dollar, mais qui question pour poser, qui possibilité qui gagne. Est-ce qu'il y a une possibilité pour faire 2 dollars? Est-ce qu'il y a une possibilité pour faire 3 dollars? Est-ce qu'il y a une possibilité pour faire 10 dollars? Then, si et seulement si, ou c'est un investisseur, pour que ça ou devient un investisseur, ou devient un investisseur, et ce n'est pas n'importe qui investisseur, ou voulez devenir un bon investisseur pour capable de gagner sacré les freedom.
pour capable gagner liberté financière. Then, si vous voulez gagner liberté financière, là vous avez un devoir pour faire. Devoir pour faire étant que un bon investisseur, eh bien avant même ou investir dans quel que soit ça va investir, ou va peser poids, ou va dire si investissement n'a pas marché bien, combien m'a perdu? Par exemple, est-ce que m'accepter pour me perdre $1? Now, dans le cas où m'a pas perdu $1, l'aime gagner combien m'gétan déterminé pour m'gagner? Est-ce que m'a gagné 2 ou bien plus? Now, bon investisseur a gétan kon toute stratégie qu'il pral utiliser de manière à ce que li capable gagner jouet là. Mais bon investisseur a tout, li gétan gen nan tête li, c'est normal pour le perdu $1. On a parlé de pourcentage par exemple, ou gagner yon capital nan men. Nan capital ko gen nan men là, peut-être c'est l'argent que ou travaille pour toute reste vie ou bien c'est l'argent qu'on fait pile sacrifice, c'est l'argent que ou fait 2-3 jobs pour capable save l'argent ça pour investir. Mais avant même qu'on investit ou te gétan pon ti tan pour capable éduquer tes tout dans ça qu'on va investir. So now l'on va investir, est-ce que tout petit comme ça fait ou just pral lage tout blow un seul coup? Non. Ou capable dit l'argent ça li disponible pour investissement, mais combien pourcentage moins vle risque la donne? Par exemple, et moi-même moi fais forex, m'gen wa gen capital. Capital la moi dit que moi pral passer un trade. OK? Moi pral risquer seulement en nous dit 0.5 sous capital moi. Ça veut dire que pas même l'aime dit 0.5 là 0.5%. C'est capable risque tolérance ça que m'gagne. Donc moi imagine bien il fait jou bien ou même si que ou gagne par exemple quel que soit capital là, li met c'était $100, li met c'était $1,000,000, ou a risqué en pourcentage. On va dire que est-ce que si me perdi 0.5% dans capital, est-ce que émotionnellement ça a dérangé? Ça sont question pour poser. Now, si et seulement si ou connaît émotionnellement nan capital qu'on gagne, nan somme qu'on gagne, si ou investi 0.5% la donne, ça a affecté ou émotionnellement. Si ça a pas affecté ou, then ou pas risquer ou risquer yon pourcentage qui pipi ti. Mais si et seulement si ou c'est un investisseur qui capable risque tolérance ou capable dit OK, si me perdi 1%, ça pas déranger, eh bien ou capable prendre capital là ou dit OK, on va risquer 1% dans capital. Qu'on y a question qu'a poser, si ou perdi 1% dans capital là, est-ce que ça a dérangé ou? Est-ce que ça a bon problème? Si ou perdi 1%, est-ce que ça a forgetan perdu habilité ou pour capable utiliser même stratégie côté utiliser déjà yo? Now, si seulement si 1% li yon bagay ki normal pour même parce que ou pa gen problème, den kounyo pral risquer 1%. Kounya lò risquer 1% de capital wa, kounya la ou pral di est-ce que l'aime risquer 1% combien que m'bra joine? C'est sacré les rewards là, c'est sacré les bénéfices là. Then est-ce qu'il y a possibilité pour gagner 2%? Est-ce qu'il y a possibilité pour gagner
3%, est-ce qu'il y a une possibilité pour gagner 15 à 20%? Now, c'est stratégie que vous pouvez utiliser, hein? C'est stratégie que vous pouvez la donner, c'est lui-même qui pourra déterminer combien de corps que vous-même vous pourrez le faire et si et seulement si projection te fait marcher pour vous-même. Pas oublier, si vous avez une stratégie, par exemple, pour risquer un la donne, mais dans la stratégie, ça, pour capable gagner 5 logins, ça veut dire, étant que un trader, qu'on y a parlé de yon investeur, mais plus yon moun capturé dans quelque soit bagay lié sur market là, mais moi ba un exemple de forex par exemple. So now, si ou gon stratégie qui dit m'a presque 1%, le m'ap gagné 5%. Ça veut dire, que ou gen doit perdre yon premier trade. Ça pas un problème. L'on perdit un premier, ça veut dire que vous perdit 1%. Ou que nous avons perdit un deuxième, ça veut dire que vous perdit un autre pourcent encore. Ça veut dire 2%. Ou que nous avons perdit un troisième. Question qu'a posé, l'on perdit un premier, l'on perdit un deuxième, l'on perdit un troisième. Est-ce que ça a fait confiance ou aller? Est-ce que ça a fait en fait tout chaud? Est-ce que ça a ba ou possibilité ou bien pour dire hey, m kite jouet la? C'est ça que fait nous parler au de chaque monde différent. Gen moun ki ka pèdi $5, li kriye. Gen moun ki ka pèdi 5 millions tout, ça pa rien pour li. Donc, ça veut dire chaque moun gagne ça qui est capable de supporter. Donc, ou même qui a regardé vidéo ça, apprendre connaître, apprendre analyser qui genre de monde que ou y est. Est-ce que ou c'est un monde qui prend gros risque ou bien est-ce que son monde tout qui ont des gens modérés ou bien est-ce que son monde qui pas capable prendre risque du tout pas. Donc définitivement nous dit que si et seulement si ou connaît qui est coyé, ah ben normalement ou pral prend bon décision dans quel que soit investissement que ou doit faire. Parce que dans tout investissement gain perdu gain la donne. So mais tout revient à déterminer l'or perdu, combien on a perdu, l'or gagné, combien on a gagné. Now, si vous connaissez l'or perdu, ça pas déranger. Si vous connaissez l'or gagné tout, ça li pas tellement un bagaille qui ka fort réjoui parce que ça, parce que son jeu trop jeu ou qu'on joue là ou juste appliquer ça yo di ou pour appliquer dans jeu là. Dans ce comme ça, on va voir que ou va jeune yon résultat qui effectivement yon résultat qui a pris un résultat positif pour vous-même. Donc nous parler de ça ou ka perdu, nous parler de ça ou ka gagné. Mais ça dépend de qui est investisseur que vous êtes. Qui est qui chant parce que là on a parlé d'investissement, ça nous focus plus la donne c'est vous-même. C'est vous-même. Par exemple, si on a parlé de trade par exemple, moi je vais entrer dans trade, m'perdi. Dans même trade là ou entrer la donne ou gagne. Ça veut dire, on doit faire un investissement, moi perdu, mais même investissement ou fait même investissement ça ou même ou gagne. Donc, du fait que nous ouais que ça qui est important c'est ou même, c'est ça qui est dedans là qui est important, de nous pas arriver ensemble avec trois clés, trois bagages principales tout investisseur yo. Bon investisseur yo, yo gen la kayo. Premier bon bagay, tout bon investisseur yo gen la kayo, yo gen sakrele yon éducation ki centré sou sa ki yo konnen. Yon éducation ki centré sou sa yo konnen.
Ça veut dire que si son investisseur qui a investi dans real estate, premier bagage ou besoin gagner yon éducation dans affaire kay. Ou besoin connait yon bon ou besoin prend temps pour apprendre comment moun investi dans kay. Ou besoin connait tout numéro yo. Parce que si ou pas prend temps pour connait ou ka wè tout moun a fait l'argent dans kay, mais éducation pa ou pa permettre qu'ou fait l'argent dans kay. Ça c'est éducation. Ça son premier E qui commençait par éducation. Tout bon investisseur, yo gagne. Deuxième bagay yo gagne la kayo, yo gagne ça qui est expérience. Expérience. Ça avait dit expérience. Haïti nous connait dit expérience grand moun nan, c'est nan tête qui est lié. Expérience ça veut dire que combien de temps, par exemple, si c'est tu dois tuer, si c'est stock market que vous faites, si c'est ça qui c'est un investisseur, parce que là, nous parlons d'investissement, nous parlons de business, nous parlons de stock market, là, nous parlons de stock market, son idée générale, les ou bien yon investisseur, ou bien yon trader, ou bien yon moun qui entre dans le market là pour yon long time, ou bien yon moun qui entre dans le market là pour un temps qui plus ou moins est modéré, mais on doit entrer dans la market là pour un temps qui vraiment coûte entrer sortir. Mais essentiellement ça qui est important pour moi-même pour me parler avec aujourd'hui, qui éducation qu'on gagne, si c'est dans business, est-ce que tu prends temps pour t'apprendre business là? Si c'est dans stock market, est-ce que tu prends temps pour t'apprendre stock market là? Si c'est dans affaires kay, dans bagay immobilier, est-ce que tu prends temps pour t'apprendre bagay ça? Parce que éducation est très important. Gen moun ki gen éducation, gen plusieurs types d'éducation. Well, si ou pasteur, peut-être ou prend tout temps pour connaître ça qui gagne dans Bible là pour capable prêcher ensemble avec fidèle. Si c'est un docteur, ou prend tout temps pour éduquer tout dans partie médecin hein, pour connaître qui genre de piqui, qui genre de remède ou bay moun pour patrouye moun. Si son mécanicien, ou prend tout temps pour apprendre comment pour un genre machine pour pas perdre craser machine moun. Mais tout bagay sa yo, yo gen expérience là-dedans. Ça veut dire que ou même k'ap gade vidéo ça. Ou pa ta vle par exemple bezwen un genre machine et puis c'est un docteur que va le prendre. Même jan tout pour un genre machine nan pou. C'est impossible. Ou pas ta vle tout. Ap, ça veut dire ou pas ta vle ap investi dans un domaine et puis son l'autre moun non domaine différent que ou al prend pour edo dans domaine qu'ou besoin. Et moun sa comprend qui vale temps li prend, qui vale expérience qu'il gen la donne. Well, très important. Aux États-Unis dans les pays étrangers et même Haïti tout dans tout monde là, si un moun besoin travail ou al côté bossa pour le bon travail. Et même si vous qualifiez pour travail là, ou gen tout diplôme yo, ou gen tout papier yo, ou gen tout connaissance yo, mais qui sa boss a di ou? Combien an expérience ko gen? Combien an expérience ko gen nan domaine ke ou a faire? Ça veut dire que ou mette nan real estate, c'est même question. Combien expérience ko gen? Ou mette nan stock market, qui expérience ko gen? Parce que c'est expérience ça qui pral déterminer qui jan des risques ou bien qui gens des récompenses qu'on a gagné qu'on a fait expérience là li très important éducation expérience là now pour on devient yon investisseur tout ou a besoin cash ça veut dire que l'argent nan men par exemple ou gen noa sou pa gen l'argent nan men ou pa ka fè rien on nous dit que ou t'a décidé acheter bouteille d'eau ça par exemple ou acheter bouteille d'eau ou besoin acheter 10 bouteilles d'eau pour vendre. Si vous achetez 10 bouteilles d'eau pour vendre, même si vous avez expérience pour vendre l'eau,
même leur gain éducation pour connaître hey comment pour capable promouvoir de l'eau à vendre. Mais qui te pose une question, si pas gain cobla pour acheter 10 bouteilles de l'eau, dis-moi comment ou pas capable à faire vendre l'eau. Ou pas capable. C'est ça qui fait que nous dit ou on nous essayer apprendre comment pour nous capable sauver l'argent pour nous l'investir. Parce que à la fin, ou pas besoin l'argent quand même. C'est pas dit me dit ou gain ou fait comme son bagin comme bagin problème à ça. Mais c'est ça me ka di ou gion paquet de bagay ou pas besoin faire dans monde investissement ou a besoin l'argent. Well, gen moun ki ka fò comprendre non ou pas besoin l'argent, ou pas besoin cob et cetera parce que ou ka fè cob sans cob. Yes, ou ka fè cob sans cob. On ka comprendre ça. Gen plusieurs façons ou ka fè cob sans cob. Mais dans vidéo ça, nous di ou ki gion paquet lè ou a besoin cob pour faire cob. Moun ki di ou ki ou a besoin cob pour faire cob yo, yes, li possible. Par exemple, c'est ça qui fait nous apprendre psyché, gen sa krele bon dette avec mauvais dette. Dette, bon dette avec mauvais dette. Si on bagaille nous-mêmes investir nous camper sous yo. Ça avait dit bon dette mauvais dette là. Mauvais dette yo nous parler de yo. C'est moun qui a pris crédit 4 yo par exemple et puis yo a l'acheter, yo achete un paquet tente yo pas besoin. Gen moun qui gen caillou qui a regardé vidéo ça. Peut-être ou gen rad que ou te mette une seule fois ou pas jamais mettre encore plus passer 6 mois ou bien 1 an. Gen moun kap gade vidéo sa tout. Peut-être ou te achete un rad ou poukou jam mete l depuis 6 mois ou bien 3 mois 1 an de pou te achete l. Et rad sa ou te achete a peut-être c'est pas comme pour non, c'est comme compagnie parce que son crédit 4 kote utilise. Ou utilise un crédit 4, ça veut dire yon l'argent compagnie pour acheter un bagay et puis nous mette dette la sous tête tout. Donc ça nous dit ça c'est un mauvais dette qui est lié. Gain ça crée les bon dette tout. Bon dette là ça veut dire que si vous utilisez même crédit 4 ça pour acheter un rad, c'est pas comme pour, mais rad là ou acheter ou vendre rad là, qu'on y a l'or acheter rad là même si ou gain dette sous crédit 4 là oui, that's okay, ou acheter rad là ensemble avec ou vendre rad là ensemble avec ou font bénéfice sur rad là, qu'on y a l'or fin faire bénéfice ça ou payer crédit 4 là off ou payer crédit 4 là et puis ça qui rete a bénéfice à l'irrité pour même ça nous dit ça c'est un bon dette lui-même. Ouais, même crédit 4 là le cabo bon dette, même crédit 4 là le cabo mauvais dette. Sous prendre crédit 4 là pour acheter bagaille, pour jeter ou bien pour faire show pour faire moun wè. Eh bien nous dit ça c'est un mauvais dette. Mais sous prendre crédit 4 là ou acheter un bagaille avec nan idée pour al faire plus cob, eh bien nous dit ça c'est un bon dette lié. C'est ça que fait aux États-Unis, dans plein les pays étrangers, Canada, tout côté tout même si Haïti, moun yo par exemple acheter caille, mais c'est pas avec cob payeur acheter ca là, yo acheter caille avec cob yo prêté dans mes banques. Et ben là yo prêté caille ça, que l'argent ça dans mes banques, et ben yo gen possibilité pour yo capable enfermer caille ça non seulement y a besoin cob pour yo remettre banque la bac, mais y a besoin l'autre petit cob pour mettre dans poche. Nous dit ça c'est un bon dette que lié même. Vie dette yo c'est ça que ou investi mal ou voye monter à gauche à droite non ça veut dire que nous vinn jodi a pour nous dire que richesse là c'est nan tête ou que li ou gen a un paquet de cob ou gen a charger l'argent et puis ou toujours pauvre voilà ka comprendre ça ou gen a un cob mais façon que ou pensez ou toujours pauvre. Mais ou gen droit? Pourquoi gen l'argent? Ou gen riche? Et puis, depuis que gen riche mentalement, l'argent l'a vini. Son bagay tout naturel, l'argent l'a vini. Parce que si ou pensez tant que moun riche, ou pral gen un comportement tant que moun riche et ou pral fè action moun riche yo fè yo lè ou fè action moun riche yo fè yo ki récompense ou pral gen toute récompense que moun riche yo gen yo moun riche yo oui ou pral gen possibilité pou gen en pile l'argent
pour gagner en pile asset, pour gagner en pile richesse. Ça yo pas fait moun ou ya différent, ou a toujours été même moun nan. Mais façon fans pense ou a différent, non seulement façon qu'on pense a différent, façon qu'on agit tout pour être différent, et laisse à tout ou pour gagner plus choix pour faire ça au besoin fait. Donc nous disons, en résumé, bon investisseur, yo connaît analyser pour évaluer sacré les déficits ou bien sacré les gains. Yo gen technique là pour yo faire ça. Deuxièmement, moi dis au bon investisseur, ou besoin éduqué, ou besoin expérience et ou besoin excès de cash. Ça veut dire ou besoin l'argent pour capable faire ça qu'au besoin fait. Troisièmement, bon investisseur connaît comment pour analyser bon dette avec mauvais dette. Yo analyser bon dette pour yo faire l'argent mais yo camper loin mauvais dette pour yo capable pauvre. Donc c'était un plaisir nous t'es ensemble avec aujourd'hui. On a pral di ou tant prie bon mion like. OK, bon mion like. Partager vidéo ça bay fami ou bay zanmi ou bay tout monde dans Facebook. Partager vidéo ça sur groupe WhatsApp ou partager parce que nous voulons aider tout haïtien pour yo penser différent parce que si yo penser différent tôt ou tard pour avoir l'autre résultat c'est comme ça n'a gagne l'autre nation financièrement nous capable délivrer tête pas nous famille nous avec pays nous pas oublier sous pas de subscribe sous pas de abonner et c'est comme ça ou pas jamais regret moi même moi j'aime n'a voyez encore dans l'autre vidéo ou à passer une bonne journée. Que bon Dieu bénisse. Bye bye.